très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, nous allons parler radicalité et mission avec Thomas Belley qui vient de publier un livre sur le sujet. Puis Thomas Belley étant un jeune missionnaire laïque engagé donc dans la mission à Paris. Puis nous recevrons l'abbé Viot pour parler d'euthanasie, puisque c'est le sujet qui arrive sur la table politique dans les semaines qui viennent. Et enfin, nous recevrons Christian Franchet d'Espéré, qui viendra nous parler d'un livre, d'un recueil de correspondances de Charles Maurras avec les carmélites de Lisieux, correspondance qu'il a accompagnée jusqu'à sa conversion et jusqu'à son retour à la foi, juste avant de mourir. Retour sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Belley. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous venez de publier un livre qui s'intitule « Prêt, feu, aimé, plongé dans la radicalité », sous-titre, c'est paru aux éditions Première Partie. C'est quoi cette idée de radicalité, de plonger dans… Vous avez la métaphore de la piscine, de la vie chrétienne comme une piscine. Ouais. C'est quoi l'idée derrière ? Alors, c'est d'abord la piscine de l'amour de Dieu. C'est d'abord ça en fait. Tel que je définis la radicalité chrétienne, c'est d'abord la relation avec Dieu, le fait de vivre à l'imitation de Jésus-Christ. Et du coup, je prends cette métaphore de la piscine en disant que bah, voilà, même pour nous chrétiens qui parfois ont été élevés dans la religion chrétienne, on a côtoyé cette religion, on a parfois ce que j'appelle voilà, mis les doigts de pied, on a mis les doigts dans la piscine. J'aime bien la métaphore, donc ça veut dire qu'on peut avoir des croyances chrétiennes, des valeurs chrétiennes qui sont belles, même un investissement chrétien dans la cité et qui vraiment, je pense que c'est quelque chose qui fait plaisir à Dieu et qui est beau. Mais voilà, moi j'invite aussi à se lancer vraiment finalement dans ce centre aussi de la vie chrétienne qui est de plonger dans l'amour infini de Dieu qui nous aime, qui le dit dans diverses révélations à Sainte Faustine, dans tout le témoignage des saints et puis dans toute la Bible. Oui. Finalement, il a un amour infini d'entrer en alliance, en relation avec chacun de nous. Donc moi j'invite à rentrer dans ce mouvement, de se dire la sainteté, ce projet de salut, de divinisation comme disent les pères de l'Église, que Dieu a pour nous. C'est à nous chrétiens de nous en saisir, d'ouvrir les vannes de notre cœur à l'amour de Dieu pour devenir en fait des témoins de cet amour autour de nous, de cette miséricorde, de devenir missionnaires de cet amour. Mais je pense que ça passe vraiment par ce premier mouvement qui peut nous faire peur, de se dire et cette piscine de la vie chrétienne, cet amour infini de Dieu qui peut nous faire peur aussi. On peut avoir des craintes, on peut se dire où est-ce que ça va nous emmener, est-ce que Dieu est vraiment bon, est-ce que Dieu veut vraiment le meilleur pour nous. Et du coup on peut avoir la tendance à mettre notre relation avec Dieu dans une petite case en disant moi ce sera que la messe le dimanche, et c'est de se dire Dieu nous aime, Dieu est bon pour nous. Certes la vie chrétienne elle est exigeante, ça passe par des renoncements, ça passe par les croix, ça passe par un certain martyr, mais c'est au service d'un amour plus grand, un amour de Dieu vraiment qui nous aime et qui nous permet d'être toujours plus nous-mêmes. Donc il n'y a pas de crainte à avoir et vraiment plonger dans la piscine, quoi. J'entends deux choses dans ce que vous dites. La première, c'est de recevoir l'amour de Dieu. La deuxième, c'est d'être missionnaire. Comment vous dosez ces... Est-ce que c'est d'abord recevoir, ensuite donner ? Est-ce que c'est les deux en même temps ? Cette piscine, pour vous, c'est quoi ? Comment ça se passe concrètement ? Je pense qu'il y a une double dynamique. C'est-à-dire qu'on voit que le christianisme, c'est une affaire d'alliance. Donc il y a vraiment ce que l'homme peut faire à travers sa vertu, à travers la raison, à travers... et toutes les choses bonnes que l'homme fait, ça plaît à Dieu et c'est pas du tout à négliger. Mais je pense que la dynamique, c'est d'abord de se dire, si on veut répandre l'amour de Dieu, si on veut être pleinement chrétien, si on veut pouvoir s'investir, marcher dans la sainteté, c'est de se dire la première dynamique, c'est d'abord de s'ouvrir à Dieu pour être rempli de son amour. Moi, je vois vraiment ça un peu comme une fontaine, comme une sorte de source, de se dire avant d'avancer par nos propres forces, par notre propre énergie, et c'est vrai que la morale chrétienne, la vie chrétienne, les exigences de la foi chrétienne qui sont belles, elles peuvent être très pesantes si on les vit à la force du poignet. Et c'est de se dire notre premier devoir, je pense, en tant que chrétien, c'est d'ouvrir les vannes, ouvrir notre cœur, donner notre cœur à Dieu, et à partir de là, Dieu va nous façonner, alors on aura des choses à faire,
faire, on aura à collaborer à la grâce, on aura à grandir dans la vertu, on aura vraiment à poser des actes concrets de sainteté, parce que la vie chrétienne c'est comme ça, c'est une affaire d'alliance. Mmh. Mais je pense que c'est quand même la dynamique que je propose un peu dans ce livre, c'est quand même de passer du faire pour Dieu à se laisser faire pour Dieu. Et je pense que ça rend notre action, plutôt que ce soit uniquement par nos propres forces, mais que ce soit vraiment mû par le Saint-Esprit, ouais. Encore une fois, auquel on collabore, mais qui permet d'avoir une action qui est peut-être plus conforme à la volonté de Dieu. Et alors, dans la pratique, ça entraîne quoi dans la vie quotidienne, ça veut dire quoi de plonger dans la piscine ? Alors, je pense que ça passe d'abord par une première démarche qui est de conversion, qui est décrite dans toute la Bible et tout ça, mais de se dire, est-ce que vraiment je veux que Dieu soit Dieu dans ma vie ? C'est vraiment une question que je me renvoie à moi-même, à vous, à toutes les personnes qui nous écoutent, mais ça passe par une première démarche de se dire, j'en suis là dans ma vie chrétienne, j'ai peut-être 5 ans, 10 ans, 20 ans de vie chrétienne derrière moi, où est-ce que j'en suis ? Est-ce que vraiment je veux que... Est-ce que Dieu règne dans ma vie ? Est-ce qu'il règne dans tous les domaines dans ma vie ? Je l'appelle souvent Seigneur, mais est-ce que Dieu est vraiment Seigneur de ma vie ? Et est-ce que vraiment je veux lui remettre lui donner carte blanche ? Ouais. Donc ça passe d'abord, je pense, par une décision personnelle de se dire, Seigneur, je sens que tu m'appelles à la sainteté. Je sens qu'il y a une sainteté particulière qui est appelée à être vécue par les prêtres, par le religieux et tout ça, mais même moi, laïque, dans mon métier, avec ma femme, avec mes gosses, dans le métro, au téléphone et tout ça, je peux vivre pleinement de cet amour de Dieu. Donc, moi je parle de différentes dynamiques spirituelles, alors c'est pas de moi-même et tout ça, je me base beaucoup sur la tradition, sur le magistère, l'écriture sainte, et puis beaucoup sur la tradition spirituelle des saints, et de se dire, souvent ça passe par une première démarche, qui peut passer par une prière personnelle. Moi j'encourage les auditeurs, les personnes qui nous regardent, à se dire, si vraiment j'ai ce désir de Dieu, si je veux répondre à ce désir, c'est d'abord le désir lui-même de Dieu qui veut se communiquer à nous, qui a un désir immense de répandre sa miséricorde et son amour sur nous. Si je veux répondre à cet amour, dans ma prière personnelle, je peux ouvrir mon cœur à Dieu en disant, Seigneur, je veux que tu sois Dieu dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Ça passe d'abord par une sorte de carte blanche qu'on va donner à Dieu. Et puis après, je décris dans mon livre aussi différentes étapes, différentes choses pour nous accompagner, pour nous aider à grandir dans la vie spirituelle et dans différents domaines de notre vie aussi, à pouvoir vraiment concrétiser. C'est pas juste une sorte de spiritualisme abstrait. Mais c'est des démarches qui nous permettent vraiment d'ancrer la vie de Dieu, la force de Dieu, la puissance de Dieu dans tous les domaines de notre existence. C'est ça, l'idée, c'est un peu le contraire de ce qu'on dit dans l'Évangile. Nous voulons qu'il règne. C'est pas nous ne voulons pas qu'il règne sur nous, c'est nous voulons qu'il règne sur nous. Ouais, sur nous, exactement ça. Ça veut dire nos âmes, nos familles, notre patrie. Enfin, nous exactement, voulons qu'il règne bien sûr. Partout. Ouais. Alors, il y a un deuxième aspect qui m'a beaucoup frappé en survolant votre livre. C'est l'insistance sur la radicalité, donc vous insistez sur la piscine, c'est une métaphore assez parlante, mais la radicalité, il y a des passages qui sont même assez marrants, et l'idée de radicaliser le martyr, je vois pas ce qu'on peut faire de plus radical que le martyr, et donc radicaliser le martyr, c'est un peu, c'est un peu superfétatoire, mais vous insistez beaucoup là-dessus, qu'est-ce que vous voulez dire par là hein? C'est-à-dire, c'est dans la partie effectivement, alors c'est un peu une formule, mais en disant on peut radicaliser différents domaines de notre vie, le boulot, la prière, notre connaissance de Dieu. Et effectivement, je parle de cette question du martyr qui, encore une fois, peut nous faire peur, mais qui finalement découle de la définition de la radicalité telle que je la donne. C'est important de revenir à l'étymologie qui dit, la radicalité, ça vient du latin radix, donc la source, l'origine, le fondement, la racine, la source, le fondement de notre religion, c'est le Christ, l'exemple du Christ, être configuré au Christ, à son imitation. Et donc, dans la vie du Christ, c'est peut-être pas le développement personnel chrétien d'une certaine manière, il passe aussi par le martyr, il passe par la croix. Alors, ça peut être au sens physique, je pense qu'il faut qu'on soit aussi prêt à ça, en tout cas qu'on demande cette grâce-là à Dieu. Mais ça peut passer tout simplement par notre quotidien, qui peut être pas facile, qui peut être pesant, qui peut être la routine, des maladies, des difficultés professionnelles. Et je pense que dans cette idée de radicaliser le martyr, encore une fois, c'est de le vivre avec Dieu, de le vivre avec Jésus. Encore une fois, ça enlève pas la souffrance, ça enlève pas les difficultés de la vie chrétienne. Moi, je suis pas venu pour donner une sorte de manuel de psychologie positive où tout irait bien d'un coup, mais c'est proposer un chemin qui est exigeant et qui est beau. Mais quand il est vécu avec le Christ, on sort d'une période de la semaine sainte, le mystère pascal, c'est de se dire, quand on porte la croix de Jésus avec nous, Jésus vient porter nos croix. Et il nous dit que le fardeau est léger. Donc les souffrances existent, elles sont fortes, elles sont exigeantes, mais n'empêche que quand on les vit avec Dieu, quand on les vit en communion, quand on leur donne du sens, quand on les offre pour la gloire de Dieu et le salut du monde, elles ont une fécondité. Notre souffrance n'est pas inutile. On peut l'associer à celle du Christ, et dans ces cas-là, elle devient rédemptrice.
Merci beaucoup. Donc Thomas Belay, Pré-feu aimé, c'est un petit manuel de radicalité, si je puis dire, paru aux éditions Première Partie. Merci beaucoup Thomas. Avec plaisir. Revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir, j'allais dire de nouveau, puisque vous êtes un habitué de ce plateau, l'abbé Michel Viau. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour. Merci beaucoup de revenir sur ce plateau. Je voulais qu'on parle un peu ensemble de l'euthanasie, la convention citoyenne qui est le nouveau bidule d'Emmanuel Macron pour faire passer ses lubies. La convention citoyenne a remis son rapport récemment. Si on a bien compris ce que disait le rapport, tout ça est un peu nébuleux quand même, mais si on a bien compris, le rapport dit en substance qu'il faut développer les soins palliatifs et qu'il faut développer l'aide active à mourir, qui est le nouveau nom de la novlangue pour l'euthanasie. Évidemment, les deux sont incompatibles, mais peu importe, c'est pas le sujet. Emmanuel Macron est un grand spécialiste de la dialectique. Mais je voulais qu'on parle surtout de l'euthanasie dans l'Église, parce que... au sein même de l'Église, les choses ne sont pas très claires, et en particulier, certains théologiens semblent être un peu hésitants, voire plus, au sujet de l'euthanasie. On est d'accord que l'euthanasie, ça relève de la loi naturelle et que ce n'est pas un sujet qu'on peut débattre. Bah ben non, c'est clair, d'autant plus que le magistère a pris position. J'aurais quand même auparavant dire ceci, c'est que je suis tout à fait opposé à cette méthode des conventions. Il y a un Parlement en France. Ça m'avait pas échappé. Et puis le mot convention, je trouve, évoque des souvenirs qui ne sont pas glorieux pour la République, puisque la Convention, c'était la plus sinistre assemblée de toutes les républiques que nous avons eues. Bon, alors, bah, enfin. Donc cela dit, il y a une cohérence à oui. appeler une convention sur l'euthanasie, quand même. Ah, bah, bien entendu, oui, parce que ça, évidemment. En matière d'exécution, ah, bah, la convention, un vrai savoir-faire. Ça fait partie de la culture de mort, c'est bien évident. Oui, alors, il y a une position qui, au fond, la même, si vous voulez, qui est liée au tu ne commettras pas de meurtre. Ce qui est la bonne traduction du commandement en question, et qui a toujours été condamné par l'Église, et qui récemment, on ne va pas remonter au déluge, mais tout simplement à 2020, la Congrégation pour la doctrine et la foi, qui a publié un texte qui s'appelle Le Bon Samaritain, qui a été approuvé, c'est le terme aussi qu'on emploie, par le pape François. Mmh. Qui condamne absolument sans appel l'euthanasie et le suicide assisté. Bien sûr. Là, donc c'est extrêmement clair et qui précise même que si un prêtre est appelé par quelqu'un qui demande cela, eh bien, il peut aller le voir pour le dissuader, mais en aucun cas assister à ce moment. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de sacrement. Bien sûr. Voilà. Il faudra évidemment en déduire ce qu'il faut en déduire pour le service religieux à l'Église. Parce que moi, je me vois mal accorder les honneurs des funérailles chrétiennes, comme on dit. Mm-hmm. On peut aller prier à la maison, comme on le fait dans ces cas-là. Mais les honneurs des funérailles chrétiennes, des gens qui délibérément se sont moqués de l'enseignement de l'Église, pour moi, ce n'est pas possible. Mm-hmm. Sauf si mon évêque, évidemment, me l'ordonne. Mm-hmm. J'obéirai. Bon, mais voilà, je vous donne ma position de prêtre. Mais alors, revenons à cette question de discours un peu, j'allais dire, alternatif. On entend un certain nombre de théologiens, nous allons parler de Véronique Margron, mais elle n'est pas seule, disant en substance que la conscience doit évidemment écouter ce que dit l'Église, mais c'est elle qui décide souverainement de ce qui est bon et ce qui est mauvais. J'exagère un peu, évidemment, c'est oui, plus avec que des ça. Beaux titres, voilà, éthique de la détresse, éthique de la promesse. On met tout là-dessous. Hein. Moi, je connais la technique, vous savez, c'est mai 68. Ouais, c'est, hein. Bon. C'est à partir de là, et avec des très jolies formules, qu'on fait passer les pires horreurs. Ouais. Donc il s'agit, c'est toujours le problème de l'accompagnement. Hein. Il faut accompagner les gens. Bon. Mais attendez, accompagner quelqu'un qui ploie sous l'erreur de jugement. Et en l'occurrence, c'est le cas. Est-ce que ça veut dire aller jusqu'à partager son erreur? Le plus beau signe d'amour qu'on puisse lui donner, c'est lui dire la vérité. Bien sûr.
et de l'empêcher justement de commettre un acte irréparable. Alors, ce qu'on nous met en avant, c'est la souffrance. Bon. Et pire, dans le cas de Véronique Margon et d'autres d'ailleurs qui ne pratiquent pas l'euthanasie, mais on va y revenir, mais du docteur Van Oost, dont elle préface le livre, c'est pour apaiser la souffrance. Et on nous dit toujours, on nous fait d'abord une sorte d'apologie, on a raison, des soins palliatifs. Mais là aussi, il y a quelque chose de pervers dans le discours. Comme si les soins palliatifs étaient le préalable de l'euthanasie. Ce qui veut dire que si vous êtes pour les soins palliatifs, vous êtes forcément aussi pour l'euthanasie. Mm-hmm. Vous voyez ? Oui. Et ça, c'est affreusement pervers. Oui. Voilà. Alors, on voit bien que cela heurte la loi naturelle, parce que vous avez quand même tout l'ordre des médecins qui s'y opposent. Vous avez une majorité de soignants qui s'y opposent aussi. Sur le plan des théologiens, je note tout de même que la Conférence des évêques de France est unanime pour condamner cela, ce qui n'avait pas été le cas avec le mariage pour tous. Mmh. Et que, par exemple, ce qui concerne le diocèse de Paris, je remercie notre archevêque d'avoir veillé à cette distribution et surtout fabrication de cette petite brochure qui s'appelle « Vivant » et qui, en termes très simples, mais très profonds, rejette la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Donc c'est extrêmement clair. L'Église n'a jamais été aussi claire là-dessus. Parce que, vous voyez, en demandant une loi, bien sûr, si les gens veulent se suicider, ou, écoutez, je dirais que c'est leur problème, je ne suis pas à leur place. Hein. Je leur déconseille, je leur dis que ce n'est pas bien et que c'est contraire à la loi naturelle. Bon. Mais s'ils revendiquent leur liberté et qu'ils demandent une loi à l'État, alors là, attention, c'est un individualisme qui va beaucoup trop loin. Parce que si vous demandez une loi, cette loi ne va pas s'appliquer qu'à vous, mais elle va s'appliquer aussi aux autres. Donc nous avons quand même notre mot à dire. N'est-ce pas ? Et il y a des institutions. Et par ailleurs, cette loi fera peser sur les épaules des vieillards et des personnes en fin de vie un poids considérable. Les personnes qui ne souffrent pas, qui ne sont pas du tout concernées aujourd'hui par le sujet de l'euthanasie, auront sur les épaules le fait qu'elles pourraient peut-être débarrasser le plancher rapidement. Quand même. Voilà, et on peut avoir peur d'entrer à l'hôpital, d'entrer dans certains lieux de soins. Si on frappe à la porte du médecin, on ne frappe pas à la porte d'un tueur à gages. Normalement, non. Hein? C'est deux métiers différents. C'est deux métiers différents. Vous comprenez, il faut bien que tout le monde vive. Hein? Mais c'est deux métiers différents. Il ne faut pas qu'il y ait d'erreur là-dessus. Alors, le problème avec Sœur Véronique Margon, qui, encore une fois, en tant que théologienne, aurait le droit, puisqu'elle est docteure en théologie, elle était même doyenne de la faculté catholique d'Angers, c'est qu'actuellement, elle est présidente de la COREF, c'est-à-dire des religieux et des religieuses de France. Bon, qu'elle prend régulièrement la parole pour dénoncer les abus sexuels dans l'Église, ça je comprends très bien, moi aussi je suis épouvanté par ça, qu'elle a fait partie de ceux qui nous rabâchent sans cesse les 330 000 victimes mentionnées du rapport Sauvé. Alors, tout le monde sait aujourd'hui que qu'il faut tirer de zéro. Voilà, bon. Alors, là-dessus, et en 2014, soyons clairs aussi, c'est en 2014 et non pas... Elle n'était pas encore présidente de la COREF, mais elle était déjà quand même à l'aumônerie des religieuses. Parce qu'elle signe tout de même sa préface, donc Véronique Margon, O.P., religieuse dominicaine et théologienne. Mais elle était aumônière générale pour la France des sœurs dominicaines. Et aujourd'hui, elle a une responsabilité. Alors, je ne vais pas dire, j'ai lu plusieurs fois cette préface, je ne suis pas de mauvaise foi, je ne vais pas dire qu'elle fait l'apologie de l'euthanasie. Mais elle écrit une préface qui fait l'apologie, sur un livre qui fait l'apologie de l'euthanasie. Elle commence, certes, parce que Mme Margon est intelligente, elle sait communiquer, pour dire qu'effectivement, ça peut faire fuir, enfin que c'est pas bien. Bon. Mais après, il y a tellement de mais, il y a tellement de compréhension. Et de cas particuliers. Voilà, que ça devient une généralité.
et qu'elle l'imite, il faut l'accepter. Alors c'est d'autant plus grave que vous avez une postface. Le livre est entouré de deux religieux. Il est bien bordé du père Ringlet, qui est prêtre, et qui est allé même jusqu'à inventer, parce que ça n'existe pas, Dieu merci, un sacrement pour les personnes qu'on euthanasie. Et tenez-vous bien, c'est de l'huile parfumée. C'est-à-dire, c'est un crème. D'accord. Oh, il ne va pas jusqu'à prendre le Saint Crème. Mais il a fabriqué lui-même, voilà. Et c'est-à-dire, il faut qu'il se dépêche, parce que ça va vite, hein, avec la piqûre, vous savez, c'est quelques minutes. Bon, et il verse, voilà. Et il paraît que ça lui a été demandé par les équipes soignantes. Je dis soignants entre guillemets, parce que j'ai quelques répugnances à appeler soignants des gens un bourreau, plutôt. Qui donnent la mort, vous comprenez, voilà. Alors que, bon, je ne sais pas ce que fera mon confrère, mais... il ne peut plus le faire, enfin, depuis 2020, en principe, il ne peut plus le faire. Puisque, en plus, c'est un faux sacrement. Oui, bien sûr. Hein? Alors, voyez-vous, il invente un sacrement, et alors, Madame Margron, elle préface un livre dans lequel il y a aussi cette postface. Mmh. Et elle ne peut pas ne pas l'avoir lu. Alors, moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'elle mette les choses au point aujourd'hui, ou alors, si elle veut conserver cette opinion, ben, il faut qu'elle démissionne de la COREF. Mmh. Ça me paraît la logique même. Écoutez, on va s'arrêter là, puisque malheureusement, le temps file. Mais de toute façon, nous aurons hélas l'occasion de reparler abondamment du sujet de l'euthanasie et du fait que nous devons être... et faire une guerre totale, totale, avec toutes les représailles qui s'accompagnent. Merci beaucoup, cher monsieur l'abbé. Et donc, évidemment, vous êtes le bienvenu pour revenir parler du sujet très prochainement sur ce plateau. Merci. Nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le grand plaisir d'accueillir Christian Franchet-Despéré. Bonjour, cher monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez présenter un livre que moi j'ai trouvé admirable. Il l'est, en effet. Ouais. Qui est le recueil de la correspondance de Charles Maurras et du Carmel de Lisieux, notamment la prieure, mais pas uniquement, du Carmel de Lisieux, qui l'a accompagné de 1936 jusqu'à sa mort et notamment jusqu'à sa conversion. Et c'est un livre époustouflant. On savait que Maurras s'était converti un peu avant sa mort. On savait que le Carmel de Lisieux avait beaucoup compté dans sa conversion. Là, on a vraiment le concret de la chose. Et je dois dire que vous avez fait, Xavier Michaud, Jean Sevilla et votre éditeur avez fait un travail fantastique. Merci beaucoup, parce que ça remet calmement le sujet de la foi de Maurras. Pendant très longtemps, on a considéré qu'on pouvait le vouer aux gémonies parce que c'était un dangereux païen. Là, on voit que... On a des pièces à conviction. Là, on a quelques pièces à conviction, absolument. Oui. Et donc, vraiment, encore une fois, bravo et merci. C'est un livre passionnant. Alors, ce que vous me disiez, c'est que vous aviez eu accès, donc, d'un côté à la correspondance que la famille de Maurras avait conservée, et de l'autre côté à la correspondance du Carmel. Avec la correspondance du Carmel, le Carmel n'avait pas autorisé l'accès à cette correspondance depuis la Libération, pour des raisons qu'on peut deviner. Mais un jour, ça a pu se libérer, probablement aussi parce que le Carmel a effectué un travail important de classement. D'accord. Et de mise en ordre. De ces lettres qui, heureusement, avaient été en grande partie dactylographiées. On suppose que ça a été par les soins de la principale correspondante, Sœur Madeleine, qui destinait probablement ses dactylographies à la mère prieure, mère Agnès, parce que Maurras avait toutes sortes de qualités, mais pas celle d'écrire d'une manière lisible. Et donc c'était toujours un décryptage difficile. Ça le reste pour nous d'ailleurs encore aujourd'hui. Et alors, c'est quand même pas tout à fait rien, parce que donc Maurras, c'est pas n'importe qui, mais en face de lui, il y a quand même les sœurs de Sainte Thérèse. On joue dans le cour des grands, si je puis dire, de part et d'autre. Alors c'est tout à fait étonnant, mais c'était une rencontre improbable. Mais on raconte l'histoire dans les détails dans l'introduction du livre. Ce serait trop long à raconter ici, mais c'est un hasard qui a fait que un beau jour, une des sœurs, sœur Madeleine, donc, qui était encore jeune à l'époque, a écrit à Maurras pour lui raconter quelque chose d'absolument inattendu, d'époustouflant, c'est qu'elle avait
une sœur elle-même, une sœur familiale, dans le sens familial, qui était carmélite avec elle, et qui avait voué sa vocation à la conversion de Maurras. Et cette sœur était morte le 15 août 1935, et un an après, pour l'anniversaire de sa mort, sœur Madeleine a l'inspiration, peut-être probablement inspirée aussi par la mère prière, d'écrire à Maurras. Et alors, pour le convaincre de se convertir, hein, pour dire les choses rapidement. Voilà. Ouais. Bon. Et alors, ça se passe donc d'une manière très, très discrète au début, bien entendu. Et puis, la réaction de Maurras est tellement positive que mère Agnès, la mère prière, qui avait des contacts, elle était prieure du Carmel de Lisieux. Ouais. Sainte Thérèse venait d'être canonisée, et son livre, Histoire d'une âme, était déjà vendu dans le monde entier. Donc la mère prieure n'était pas n'importe qui. Ouais, et elle avait le lien direct avec le pape, avec Pie XI. Donc elle a tout de suite envoyé la lettre de Maurras à Pie XI, sans que Maurras le sache. Et Pie XI, du coup, a répondu à cette lettre. Et c'est assez extraordinaire parce que c'est un moment où Maurras a été mis en prison pour avoir insulté Léon Blum, etc. Bon. Et il était donc à la santé et il a reçu une lettre personnelle manuscrite de Pie XI. Cette lettre est tout à fait étonnante, en effet. On peut donc la lire dans ce livre. Et alors, Pie XI ayant été probablement assez convaincu que Maurras était déjà sur un chemin de conversion, ce qui était vrai, sauf que c'était un chemin qui était encore long devant lui. Et probablement que la condamnation de l'action française a interrompu ou retardé ce chemin de conversion, parce que lui-même, avec Maurras, a écrit qu'il ne pouvait pas marchander sa conversion en échange de la levée de la condamnation, ce qui, en fait, aurait été une espèce de simonie très malsaine. Tout à fait, c'était impossible. C'était une attitude absolument exclu pour lui, naturellement. Oui, alors, à la suite de ça, bon, la correspondance s'est poursuivie. Les sœurs, évidemment, étaient persuadées que cette conversion allait venir. Pie XI l'a posé quasiment comme condition pour une levée de l'index. Cette condition n'a pas été remplie et cependant, la levée de l'index a eu lieu 39. Probablement avec un accord posthume, si j'ose dire, de Pie XI, enfin peu de temps après l'élection de Pie XII au pontificat. Pie XII a pris cette décision qui avait été déjà mûrement préparée et réfléchie et qui n'impliquait aucune demande de la part de l'action française de reconnaître des erreurs doctrinales, mais de reconnaître simplement des injures verbales, des choses comme ça, ce qu'elle a reconnu tout à fait et dont elle s'est tout à fait repentie. Voilà. Alors ça, c'était le... Et donc, le chemin de conversion a continué après la guerre, c'est en prison de nouveau, parce que Maurras a été un familier des prisons. C'est en prison que les choses évoluent, favorablement. Alors là, il y a des pièces qui nous manquent, malheureusement. Nous n'avons pas toutes les lettres de sœur Madeleine qui ont disparu pour des raisons mystérieuses pour le moment. On espère les retrouver un jour, qu'elles soient dans une collection particulière. En tout cas, le fait est que la correspondance s'est poursuivie, que nous avons par contre pu récupérer au Carmel les lettres de Maurras. Et on voit que Maurras continuait à se défendre, à opposer les raisons qui lui avaient fait perdre la foi, qui étaient toujours valables pour lui. Et il s'est battu en quelque sorte, mais il se battait contre lui-même, on le sent bien. Et ça a duré jusqu'à très peu de temps avant sa mort. Et la mère prieure, ma mère Agnès, qui était prieure à vie, est morte très peu de temps avant lui, un an avant lui, n'a pas pu donc connaître sa conversion effective. Par contre, sœur Madeleine, qui a gardé le silence depuis, a pu savoir par le chanoine Cormier, prêtre qui a rencontré Maurras, que c'est lui, ce prêtre, qui a reçu cette conversion. Mais c'est lui qui nous a informés, en fait. Voilà, sans lui, on n'aurait pas su que Maurras s'était converti, je crois. Voilà. Mais alors, évidemment, ce qui est très, très émouvant, c'est qu'on s'est aperçu, après sa mort, que Maurras
porter sur lui de faux. D'une part, le scapulaire du Mont Carmel, on ne sait pas depuis combien de temps il le portait, mais probablement depuis longtemps. Et il avait également sur lui, dans son portefeuille, un petit opuscule de pensée de Sainte Thérèse. D'accord. Avec une pensée qui dit, c'est de mémoire, que le bon Dieu sait attendre ses brebis. Voilà. Merci beaucoup, ça conclut merveilleusement. Encore une fois, c'est un livre magnifique. Je ne saurais trop vous conseiller, chers amis téléspectateurs, de courir l'acheter et le lire. C'est très émouvant, c'est très édifiant. On a des personnalités de haut niveau qui nous changent agréablement de la médiocrité ambiante. Et c'est un livre vraiment remarquable sur une période très douloureuse de l'Église de France. Un chemin de conversion, c'est paru chez Teki Éditeur. Œuvre vraiment magnifique. Merci beaucoup, cher Christian Franchet-Lespéré. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Et d'ici là, que Dieu nous garde.